Ben, chers téléspectateurs, bonsoir, c'est parti. Bon, ben Yannick m'envahit avec le son, je sais même pas si on m'entend. Ben, c'est parti pour une heure d'émission, Zay Chronique, la première de l'année. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Donc, ce mercredi, on reçoit Caïman Fou chez Saturn, et puis on a notre équipe. Mais je sais même pas si on m'entend, j'ai reçu prier. Mais qu'arrive-t-il à Yannick? T'as fait trop la fête pendant les vacances? Sinon, on a notre belle Jessica qui est avec nous, Jessica Chocolat, pardon. Chocolat. Merci. How are you, Chocolat? I'm fine, thank you. Alors, t'as passé de bonnes fêtes? Oui. La première de l'année, tu sais comment? Tu te sens comment? Fraîche. Ah, fraîche? Bon, je sais pas si t'es fraîche. Non, c'est vrai. On a notre ravissante comédienne, Charlène. Aïe, aïe, aïe. Comment vas-tu, Charlène? Très, très bien. T'as passé de bonnes fêtes? Je ne vais pas parler en anglais, moi, pas anglophone. Non, je sais que tu es l'anglais, ça fait 10. Donc, voilà. Et puis, on a sur la table deux belles dames siliconées. Comment elles s'appellent? Lolita et puis Makoum. Lolita et Makoum, how are you? Good morning, I'm there. I'm fine. And you? I'm very well. I feel good. I feel like we. Yeah. Big up massif. Ok. Donc, Caïman Fouche qui sera là parmi nous pour nous parler de leur retour sur scène qui se fera le 25 janvier au Grand Carabet du Parc Plat. Mais avant, on va s'intéresser à nos chroniqueurs. Donc, Chocolat. L'année 2018 est passée, regarde qui ça tiboulon dans les mais mon père. Alors, Chocolat, alors, quel événement qui t'a marqué en 2018? Donc, je te posais la question, on a posé la question à tous nos chroniqueurs. Quel événement qui t'a marqué en 2018? Tu m'as envoyé une liste. J'en ai une liste parce qu'il y a trop de bon, choses. Le plus gros que j'ai choisi, il y a la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ben oui. On peut voir une image. Tente. Mais mis à part ça, tu m'as parlé d'autre chose que tu peux dire? C'est ironique. Bon, je vais dire le 10SP, hein, après tant d'attentes, enfin. Voilà. Charlène aussi qui avait choisi ça. Mm-hmm. C'est vrai, le TCSP, la mise en route du TCSP qui est un petit peu novni. C'était long, mais c'est là. La Coupe du Monde aussi, un grand moment de partage de bonheur. Je suppose que Makoum et Lolita ont dû faire la fête. Ah oui. Vous avez suivi la Coupe du Monde? Ah oui. C'est moi à côté. C'est moi qui a voyagé. Je voyage beaucoup. J'ai une surprise. J'étais à la Coupe du Monde. C'est pas vrai. Pourquoi obligé de dire ça? Ah non, mais oui, ça y a une surprise. Et puis c'est la première fois qu'il est regardé la Coupe du Monde. Mais ouais. Ça va, vous. Oui, il a été jeune, c'est qu'à jouer boule. C'est un tireur. Moi, j'étais gardien de but. Aïe. Il est venu dégager. Il a jeté deux boules en même temps. Mais il a manqué, Et puis, je vais parler du TCSP. Dis-moi, on va créer ça, TCSP. Ah, moi, croyons, c'est. Transport en commun, en site à pied. À pied, voilà. C'est pas assez. Vous avez goûté, vous avez monté. Mon cher, moi, j'ai envie de goûter, mais chaque année, j'ai essayé de goûter. Il y a une grève, il y a un droit de retrait, il y a des co-traitants, il y a des sous-traitants, il y a des maltraitants, il y a tout l'attraitant. C'est maltraitant. Mais dis-nous, nous allons prendre un jour. J'ai envie de le prendre. Faut-il en prendre. Oui. Voilà. Et Chocolat, quand tu m'as parlé de notre événement aussi de cette année qui continue toujours cette année, en fait de l'année 2018 qui continue toujours cette année, c'est les gilets jaunes. Donc, les gilets jaunes, c'est vrai, bon, une manifestation assez remarquable. Charlène est la première à allumer le plateau ici, à faire bouger le standard lorsqu'elle a parlé de la manifestation. Ça n'avait plus où donner de la tête. Et puis voilà, sinon, il y a Charlène. Charlène, oui. Quel était l'artiste de l'année? Monsieur Sadik. Monsieur Sadik, si tu me vois, je n'ai pas oublié mon t-shirt. Non, mon t-shirt, parce qu'on t'a demandé avant. Mais pas vous. Notre t-shirt. Moi, c'est mal un t-shirt. J'ai fait un t-shirt de monsieur Sadik. Si t-shirt, tu t'as mis, on connaît Sadik. Si, ben il est Sadik, moi, mais tout ça qui est Sadik. Dès qu'il est Sadik, il continue Sadik. Je l'ai entendu. Si, mon t-shirt, tu as mis deux t-shirts parce que moi, il est venu. Mais on toi jaloux. Et il me semble que tu as choisi la musique de l'année aussi pour toi de l'année 2018 qui est. Oui, on soit là de monsieur Sadik. Donc, on va écouter un extrait pour le lutin. C'est pas moi qui achète. Donc voilà. Donc Missy Sadik est en spectacle le 12 décembre, si je ne me trompe pas. Un beau spectacle. Charlène était là. Première loge, oui. Comme une groupie. Il y a Chocolat qui n'a pas été. Youpi. Et Missy Sadik a été élue par France Antilles l'artiste de l'année. Et Chocolat qui a choisi pour toi, Chocolat, l'artiste de l'année 2018. C'est, je te laisse annoncer. International, forcément. Cardi B. Cardi B, yeah. Oui.
Et ça qui Cardi B? Cardi B? Lolita, vous connaissez Cardi B? Cardi B, non? Moi, Cardi B. Là, c'est tout fait, puis j'ai Moi, je ne veux pas connaître Cardi B, c'est la jeunesse qui a coûté. Ah, c'est ça, Kachopin qui a coûté. Ah, ben oui, Kachopin qui a connaître. Vous êtes connaître, c'est qui ça, Antwerk? Antwerk. Oui, Twerk, Twerk. Kachopin. T'as l'air, nous, qu'est-ce que c'est Antwerk? Ah, on va aller Yannick, tu nous télécharges le son de Cardi B. Et on va faire. Bon on va faire Lolita et Makoum Twerk qui boum. Aïe, 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 ça va être chaud. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que nous la jeunesse. C'est pas rien qui mauvais matin, il y a pour nous. Il y a pour nous, nous avons pour nous, c'est ça. C'est nous avons dit aussi qu'on a notre bidjin aussi. Et puis ça fait. Amazuka. Amazuka. Ah oui, non, on connaît ça. On t'y met. Dans sa biche. Eh, ne, ne, ne. Même. Donc voilà, ben ouais, Cardi B qui a une année, c'était son année. Bon, on parlait que d'elle, c'était Cardi B partout, featuring et tout. Elle a battu les records. Bon, longue vie à elle. Elle a des ongles poules, tu vois. Les... Ouais, ça fait, elle a des ongles, ça ressemble à des ongles de sorcière. Merci. Ah bon? Donc voilà, moi j'ai choisi l'artiste de l'année. Mm-hmm. L'artiste de l'année pour moi c'était. Non, l'artiste de l'année, il y a Aya Nakamura et les QLM, parce que pour moi, on a entendu les QLM toute l'année. Et Aya Nakamura. Toute l'année. Vous connaissez Aya Nakamura? Ah, oui, non. Oui, oui. Vous connaissez mon Jaja? QLM, oui. Ah, vous êtes comme à la maison? Ah, ouais, parce que Goalinga, oui, quoi, et à côté. Est-ce qu'on peut écouter un petit extrait de Jaja pour eux? Vous connaissez ça au moins? C'est ça. Allez, on retourne, c'est bon. Voilà. Si tu as mis des sons, il y a quand même des mots, on va raconter toutes les vidéos. Mais maman, là, je suis sorti. C'est pas rien qui déjeunait dans son voile. C'est ça. Alors, donc voilà, ça c'était pour l'année 2018. Et puis aussi, pour moi, un autre succès pour moi de l'année 2018, c'était les sons latinos. Parce que cette année, c'était leur année. Ça te représentait. En 2017, je trouvais que c'était la foot rap. Cette année, enfin 2018, qui est passé là, c'est les sons latinos, on entend ça en boucle. Donc voilà, sinon, les résolutions au chocolat. À toi, je pense que tu as plein de résolutions à prendre. Quelle est la résolution principale pour toi cette année? J'en ai pas. T'as comme pas. Ça, je vais la pas même. Faire de promesses que je ne vais pas tenir. Et toi? Je sais, t'as une résolution qui va fâcher Chocolat. Non, pas du tout. Oui, vas-y. J'ai déjà cette résolution. Qu'il y ait moins de télé-réalité à la télé. Ah. Chacun donne les mots en couillon, ça qui énerve, moi. Donc Chocolat couillon. On peut couper. Non. Dès qu'il y a coupé, je veux. Donc, non, c'est pas bêtise, tu m'en mets à la télé. Quand même. Bah, c'est grand, mais bah, dis-moi, Maïla. Bah, sérieux. Ben voilà, ben j'espère que chacun chez soi a pris sa résolution et essaie de la tenir, de tenir non, cette promesse. Ben moi, la résolution, c'est avant tout la santé, et puis après, le reste viendra. Ouais. Et puis être heureux avec ce que j'ai. Et Lolita, ta résolution? Ah, ben moi, pas de résolution. Résolution, c'est ça. Ça, quand on a une solution, on doit être en ré, et puis. Ah bon, et ben, vous pas du mot, puis en opération, en division, tout en solution. Et ben, résolution, moi, comme moi, c'est la santé, plus d'amour dans le pays, plus de partage, parce que chaque fois, un cyclone passé, nous avons dit titi, nous avons les voisins, et puis deux jours après, nous avons oublié. C'est que nous plus solidaires en pays. Ah, voilà, c'est surtout ça. Et toi, Makoumou, bah, va aller. Ah, moi, j'ai ma résolution. Cette année, c'est. Parce que moi, nous sommes beaucoup jaloux. Moi, côté des boucs, mais il y a pas de soi, tu parles de pièces côté. Alors, cette année, c'est la féminitude. La féminitude. C'est-à-dire que je vais où je veux, voilà. Je sors quand je veux, je rentre quand je veux, je fais ce que je veux avec qui je veux. Maman! Aïe, 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 aïe. Donc voilà, en tous les cas, et on n'oublie pas notre Tanounou qui était là et qui a tenu à nous laisser une dédicace, ben, ses vacances qu'elle a passées, les vacances de décembre. Donc on va regarder la petite vidéo. Donc voilà, c'était la dédicace de Tanounou pour nous souhaiter une bonne année. Elle m'a même tué, mais je l'adore. Ben, Tanounou, on t'aime, on te souhaite une bonne année, que tu nous retournes au plus vite. Donc voilà, donc Chocolat, elle a un jeune qu'il faut gagner. Si on peut voir le flyer, donc c'est une soirée qui a le samedi 19 janvier. Mm-hmm. Ce samedi, la Bendy Carnival, donc Chocolat, je Carnival, te laisse. Carnival, oui.
samedi 19 janvier. Et le thème, c'est « Ramène ton équipe et ton thème ». Donc oui, ça prouve que le carnaval démarre déjà, démarre très chaud, puisque le carnaval, c'est jusqu'en mars, mais les soirées commencent déjà. Donc appelez au 05 96 71 27 07 et je vous donnerai le ticket. Okay. Mais avant de passer à nos deux compères, nos deux acolytes, est-ce qu'on peut regarder la vidéo du teaser de leur spectacle du 25 janvier? On retourne tout de suite après. Donc voilà, c'est Kaimon. Kaimon Fouche. Maintenant, c'est une petite question. Qu'est-ce que tes autres taillés? Eh ben nous t'es là, nous pas nous, c'est mon gars comprendre que nous pas là, mais nous là, nous pas t'es sur scène, nous pas t'es qu'à faire des grandes scènes, mais nous là, parce que Kachopin là, Lolita là, Irénée là, la Macrel là, Steven là, nous toute famille là. Pas t'es niant si conflit familial. La famille vous savez, quand nous regardons dans la brave famille qui a plié, mais il pas cacassé. Ah bon, ouais. Et puis en plus, Kachopin qui apprend moi et parle chinois. Pourquoi parle chinois et Lolita? Mais Lolita, pourquoi manger? Je n'ai pas fait ma débit. Mais non, pourquoi manger chinois, mais on ne peut pas parler chinois. Là, tout le monde dit, moi qui m'en ai pas dit, on retient en côté en chinois. Attends, Lolita, nous invitons. Mais on fait énerver moi. C'est déjà invité. Là, tout le monde dit, moi qui m'en ai pas dit, eh bien, Lolita, comment pourquoi parler chinois? Dis-moi qui m'en ai pas dit, retient en côté en chinois. Eh bien, Kenjo, tu es. Non, la famille, c'est même pareil. La famille, Fouché, c'est toujours ces mêmes personnages-là, c'est même mon nom, mais c'est thème-là différent. Là, nous avons dit le retour, ça veut dire, tout à l'heure, je parlais du TCSP, je parlais de la Coupe du Monde. Ok, je parle des gilets jaunes. L'année en l'eau événement qui tout fait ça là, tout. Spectacle. Voilà. Et puis ça Martinique, nous n'y a malgré nous n'y a problème qu'il n'y a pas à marcher. Nous toujours. Mon cas ouais c'est en cette télé, il a appelé pour dire et j'ai un problème et on m'a demandé un cap. Oui j'avais dit nous aimons ça. On va retrouver des petits effets d'actualité qui cassent Martinique parce que nous qu'a dit que la vie c'est un théâtre. Alors, tout ce thème-là, nous avons pris dans la vie et nous avons fait un micmac dans la famille Fouche. Mais Kaimon Fouche, ça a démarré quand? Ah, Kaimon Fouche, c'est une longue histoire. Donc, on a quand même. Le Kaimon Fouche, on a une quinzaine d'années d'existence. Mais les comédiens étaient déjà sous scène bien avant.
sur le commun de là, je crois que nous à présent les papiers, les mabis de la scène. Donc on a une vingtaine d'années d'existence. Okay. On faisait partie, on a créé l'association Soleil, le groupe Soleil, qui a sillonné un peu toute la Martinique, les Fortunes. Faut donc ces moments-là, l'association oui. Soleil et oui. les comédiens de la troupe Caille Soleil, nous okay. élever mon pige 20, oui, dire voilà. Ça présente un quartier ça haut du pont. Oui, tout près, nous sommes tout près là. Tout près là, donc nous là. Sommes des amis d'enfance aussi. C'est pour ça, bon, entre nous, ça se voit, il y a une complicité entre nous, puis il y a la complicité sous scène aussi. Donc, on a commencé par le groupe Soleil, puis bien une vingtaine d'années. Et puis, le concept Caïmo Fouche, bon, c'est un producteur, bon, nous a remarqué, il a voulu faire de ce concept, faire des modules à télévision. Donc, on a commencé sur le petit écran. En 2005. Oui, en 2005. On a commencé sur une certaine chaîne. Martinique, on a continué sur notre chaîne. Et puis. Et puis, l'argent, ils ont pas voyagé de l'argent, et puis ils ont quitté nous comme ça. Pas okay. Okay. Oui, on a eu l'occasion de voyager, effectivement. On a fait. Nous partis en France, on a fait Marseille, on a joué en avant-première des fois des gens, on a fait. Quand même. On a fait Guadeloupe, Guyane, Sainte-Lucie. Donc, effectivement, on n'a pas fait de grandes scènes depuis 2-3 ans. Mais on était toujours en activité, on a travaillé avec des collectivités, on a travaillé avec des entreprises privées. Donc, mais le public, le grand public... Oui, c'est un travail qui a fait les personnes en situation de handicap dans le travail. Donc, on a pratiquement travaillé avec toutes les collectivités, les communes, même les grosses entreprises. Et puis, dites-moi, mais là aussi, que si par exemple, il y a anniversaire maman, anniversaire c'est, anniversaire frère, et qui a crié la famille Fouche, voilà. Mariage, nous allons mettre ça en sauce. Ah non, c'est que foutu en désordre dans le mariage. Ah non, non, ça les volait, non, madame, mais c'est ça. Ah oui, ça les volait. Vous voulez dire que c'est pas volé l'homme de la Béonce. Mais oui, mais ça n'a pas qu'à faire, mais il va y battre. Voilà. Il est servi initialement. Il est servi. Tu dis qu'on l'est. Et puis voilà, nous t'avons dit, bon, seul grand scène nous fait, c'est peut-être la trio, mais c'était la nuit du rire au mois de septembre, c'était une trentaine de minutes, mais le grand public, les fans qui nous suivent depuis Naninana, ben, ils ont dit, bon, hey, regardez, maman là, ni 2 ans, 3 ans, nous parlons, 2 heures de spectacle, quand il m'en fouche. Bon, alors, c'est vrai que dans tous les coins de rue, tous les jours, on a des gens viennent vers nous pour déjà nous solliciter. Oui, oui, solliciter. Et puis voilà, donc nous disons, bon, il y a la demande, donc il y a l'offre. Donc on répond à la demande. Nous disons, bon, ok, voilà, donc, pour 2019, nous allons mettre en route. C'est bien démarré l'année. On repart sur des bonnes bases. Ouais. Donc c'est un nouveau spectacle. On va retrouver les mêmes. Bon, enfin, nous sommes 4 sur 7. 4 comédiens. On a l'impression d'être. On a l'impression d'être. Oui. Jessica Gustin. Voilà. Michel Gatineau. Jessica Gustin. C'est la Kachopine. Kachopine. Ancienne Kachopine. Oui. Non, la nouvelle Kachopine. La nouvelle Kachopine. Et puis Lolita, la Macum. Et puis on va retrouver des personnages qui tournent toujours autour des personnages centraux. Que sont Irénée, Lolita et Kachopine. Donc, il y a la pénus, celui qui voit, qui ne voit rien du tout, Mokawe. Il y a Guiti, qui sort de France, qui a changé. Il ne faut pas trop dire, il faut que... Non, mais on ne donne pas le spectacle, on donne les personnages qui sont... Donc, on va retrouver, voilà, tous les personnages dans des situations qu'on a... Bon, on n'a jamais vu, voilà. Donc, c'est un spectacle inédit. Regardez ces moments là, les plateaux, on m'entend pour moi, tu sais que je n'aime pas. Pas parler de toi. Pas parler de toi. Vous savez, les mains démarrent, vous savez, comment ça va arrêter. Quand je donne, quand je prends. Exactement, mais donne. Il n'y a pas de mains. Faut tirer les deux, et puis amener les mains des deux, on va les amener. Ah, il est trop bien. Ah. En tous les cas, j'espère Yannick, tu as téléchargé le son de Cardi B pour voir mes deux chers compatriotes. Twerk est pour nous, parce que vous ne pouvez pas connaître Twerk. Nous mettons là. De toute façon, si vous ne savez pas, on a une maîtresse du Twerk là. Nous ne pouvons pas courir, c'est bon. Il y a pas mon Twerk, mon cabaye tout, Vals, Majuka, Begin, voilà. Nous ne pouvons pas Twerk. Belle. Donc voilà, on fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite après avec Caïmo Fouche. Pas bon tout le temps ou là toujours.
voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, belle émission, c'est le feu. On a Kaïman Fouchka avec nous qui se respecte avec le 25 janvier. Je vous en dis pas plus. Tout à l'heure, dans un petit moment, on a un coup de truc spécial, chaud patate. Moi-même, mettez-moi à l'abri parce qu'il y a de la concurrence. La jeunesse à l'abri. Donc, Kaïman Fouchka, parlez-nous de ce que vous nous avez dit que vous allez parler de divers sujets, TCSP, gilets jaunes. Donc, ce spectacle ne pas manquer. Est-ce que je peux venir petit moment, moins? Ce spectacle, quel public? Ben, c'est comme la famille Fouchka, hein? C'est tout public. Donc si je viens avec ma femme, elle va pas sortir fâche avec moi après, vous allez pas parler de sujet. Au contraire. Adoucir. Ça va adoucir. Le rentrer là. Gagner célibataire. Non, gagner sujet. Alors un exemple, hein. Alors le dernier spectacle nous fait les monsieur qui dit moi quand madame moi la chaise roulante. Il n'y a pas de parler en caille là. Il m'a dit, mène un spectacle. Il n'y a pas de sortir. Il m'a dit, mène. Finalement, il mène madame dans le spectacle là. Et après, il a appelé monsieur Modeste, merci, parce que pendant un mois, madame n'a pas parlé du spectacle là. Il était perdu de la joie de vivre. Et puis, madame a retrouvé ça là même. Alors, vous souvenez de madame, vous venez petit maman. Au contraire, maman, elle a dit, papa. Et le prochain spectacle de madame Fouchka. C'est quand? Voilà. Tu vas m'emmener. Ouais. Au-dessus de la ceinture, on parle. Donc, mais nous savons. C'est subtil. C'est grand monde avant de parler en parabole. C'est comme ça que nous allons parler. Voilà. Moi, j'ai une autre question. Vous retournez pour le spectacle, mais après, vous disparaissez ou bien on va vous retrouver? Ah non. Ou est-ce que là, c'est l'année 2019, Kaïman Fouchka de retour? Eh bien, justement, il y aura dit pas parler en pile. Pas dit trop de bagaille. Oui. Pas parler en pile. Alors, petit à petit, le public là qui a découvert, ça, la famille Fouchka fait. Voilà. C'est non, tout. Oui, et puis c'est un retour. C'est un vrai retour. Ce n'est pas un retour, juste un retour, juste un spectacle, mais ça s'arrête là. Donc, c'est le début de quelque chose. C'est un renouveau. C'est un renouveau. Une voilà. Nouvelle donc, histoire. Une nouvelle histoire. Voilà. Une nouvelle histoire d'amour avec notre public. Qui nous le rend bien, mais qui a été très frustré de ne pas avoir vu Kaïman Fouchka pendant 2 ans. Bon. Alors, on s'en excuse et on revient pour vous parce qu'on vous aime. Voilà. Mais Kaïman Fouchka, je me redis, de l'année en concurrence. De sérieux, là, l'année d'Eti jeune, là. J'y sais, Louis Bobby qui a fait spectacle. Non, mais c'est chaque. Qu'est-ce que vous pensez de cette jeunesse-là? Excellent. Oui. On a regardé excellent, okay. Notamment Bobby, nous jouons dernièrement et puis Lamantin, excellent. Oui. Alors chaque. Il y a de la place pour tout le monde. Et puis au contraire, bon, ça fait. C'est une concurrence saine. Et puis c'est plusieurs générations. Oui. Voilà. Et puis avant nous, il y a Kaïman Fouchka, mais avant nous, t'es une petite bouboule. Et la famille Mansabé. Là, nous commençons les frères Gali. Voilà, c'est un renouvellement. Et puis nous, quand même, il faudrait enlever nous. Nous l'a dit. Hein? Ouais. C'est nous élèves. Et puis, au contraire, on nous a dit il faut continuer parce qu'il y a, de la place pour tout le monde et chacun son public. Bien que bon, le public. Mais si c'est là, ici, c'est pour tous les jeunes l'ont venu aussi. Ah oui, c'est ça. Celui qui apprécie Bobby apprécie autant Kaïman Fouchka. Je vais vous interrompre parce que peut-être que quelqu'un a envie d'aller danser samedi. Vous avez connu que bonjour. Bonjour. Bonsoir. Vous avez connu que bonsoir. Jessica. Bonsoir. Oui, alors bonsoir. Je suis très 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 contente de vous entendre. J'entends loin. Allô. Vous êtes conique? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est Céline. Céline, tu vas bien, oui. Céline? Tu nous appelles oui, d'où? Ça. Alors, là, je suis sur Condo, de Saint-Joseph. Ok. C'est un condo. Voilà. Et tu nous appelles pour? Pour les places du carnaval au Dream. Alors j'ai dit une place, ça, là, ça dit les places, ça c'est vrai, une vraie Céline. Une vraie Céline, ça. Je suis sûre que tu es claire de peau aussi. Une petite chabine, longs cheveux, tu m'as déjà dit les. Tu as tout compris. Céline, dis-moi quelles sont tes résolutions. Comment? Quelles sont tes résolutions? Quel genre de résolution? Les résolutions de l'année 2019. L'argent, le travail, la santé, tout. Oui. Voilà. Je sais pas avec qui tu es, mais ta copine elle est joyeuse, hein. Tu lui as dit allez, on appelle parce que samedi on va danser. Oui, on va danser. Ah oui, on va s'éclater, on sera voilà. Il y a une qui va acheter son ticket. Oui, mais non, Céline elle est trop non, mais gentille. La copine. Oui, mais sa copine quand même, elle est gentille parce qu'elle lui donne quand même 2 minutes pour pouvoir téléphoner. Ah ben Céline, je te remercie quand même d'avoir téléphoné et je te dis que ce sera pas possible pour toi. Donc je rigole. Mais stop. Aïe, mon Dieu! Tu
bien à quelqu'un les flammes. Et comme ça, ce qu'on va poser. C'est méchant, Jessica. C'est toute triste. Mais non, reste, ne raccroche pas. D'accord, ok. Merci. Allez, gros bisous. Et un question à Bémado, où montons-nous c'est samedi. Je peux venir avec lui. Bien sûr, mais on va te montrer comment bouger. Ah, et puis attendez, on a une exclue. Parce qu'on a deux invitations à faire gagner pour Caïman Fouch. Donc la prochaine personne qui appelle, qui veut son ticket pour Caïman Fouch. Ah, mais vous pouvez garder. Posez une question quand même. Vous pouvez poser une question. Ah oui, posez comme une question facile quand même. Caïman Fouch, où est-ce qu'on trouve les tickets? Si moi, là, écoutez-moi qu'à prendre ticket. Eh bien, à partir de lundi, Yokai trouve ces tickets. Lundi 21 janvier. Et Grand Corbet, du Parc Floral, et M. Césaire, c'est ça? Oui, mais oui. Voilà, au Grand Corbet. Et puis, il y a un numéro de téléphone. C'est le 174 175. Oh bon, oui, bon, il y a 17 71 75. C'est un portable. Okay. 06 96. Alors, voilà. Et puis, je crois, dans tous les mobiles plus. Hein. Okay. Et puis, on peut aller sur le net ou pas à la page. Le net, c'est. On va pas ni en tête. On va pas y aller. Le net, voilà. Il y a Bizouk. Et Money Pass. Donc, tous les deux? Oui, donc les tickets sont disponibles sur Bizouk Money Pass au Grand Carba à partir du lundi 21. Absolument. Tous les mobiles plus. Tous les mobiles plus. Et puis vous pouvez contacter les comédiens aussi. Il y aura nous. On a des tickets aussi. Non, pas de problème. C'est pour acheter le ticket, pas pour demander gratuit. Alors, je profite pour dire, il faut faire vite parce qu'apparemment. Ça part très vite. Ça va. Et voilà. Avant de nous faire guichet fermé. On a un appel, on prend l'appel et puis on revient tout juste après. Vous avez Conique, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Mamie à l'appareil, je vous souhaite déjà bonne année, santé. Vous êtes très intelligent, que vous continuez à aller de l'avant et faire l'émission que vous faites. Je félicite Télézouk parce qu'il est très intelligent et instructif. Merci. Ces messieurs qui sont sur le plateau, il y a un moment que je ne vous ai pas vu. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Eh bien, nous là, hein, nous pas morts, nous là, mamie, nous là. C'est nous. Alors, là, nous devons travailler. Nous devons travailler, pas public. En bonne année. Merci à vous. Vous êtes en bonne année, mais écoutez ça, manque à des autres là. Mm-hmm. Intelligemment, continuez à faire travailler la autres cafés pour diversifier le pays. Parce que le pays a tombé en chimpongtong. Alors, parler de ça qui a fait, à dans paroles autres, de l'habitude, m'en connaître, aller de l'avant et m'en souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de chance et surtout le respect de l'autrui en accord avec soi. Très bien, merci. Bonne fin de soirée à vous et les jeunes aussi. Continuez à faire ce que vous faites là parce que ça distrait les personnes âgées comme moi. Merci, maman. Si on te proposait, enfin, on va te donner un ticket pour te distraire, aller voir Caïman Fouch le 25 janvier. Eh bien, souvent, moi, il m'a dit merci. Eh bien, il n'y a pas de souci. Ben, tu laisses ton numéro en antenne. Oui. J'y vais prendre ton numéro de téléphone, ton nom, prénom, et puis tu vas passer récupérer ton ticket pour aller regarder Caïman Fouch le 25 janvier. Tu pourras même nous appeler pour nous dire comment il y a eu. Ne raccroche pas. Marie du en bagaille. Ça y a fait y a la Martinique ni besoin ça parce que nous trouvons chez nous pourtant quand on peut dire la politique, quand on peut dire vrai manger, nous pas qu'on peut dire pays nous et puis jeunesse nous. Merci. Ok, merci un peu, maman. Ok. Ben, on te remercie, Mabi, de ton appel. Donc, comme on vous disait, c'est le 25 janvier au Grand Carbet du Parc Floral. Les tickets sont disponibles sous Money Pass Bizou au Grand Carbet et tous les mobiles plus. Et un numéro de téléphone, le 0696 174 175 sur portable. Yannick, est-ce que tu as notre musique pour savoir si on emmène Lolita et Makoum avec nous au Bend of Carnaval? Je sais pas. Venez, les gars. Vini, Makoum et Lolita. Va, Charlène, montrez un coup de chocolat. Hop up the scoop, jump in the coupe, big dip on
on top of the roof. Listen to bitches as hard as I can. Eating halal, driving a Lamb. So that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. I'm in district in the chain. Moi, quoi, tout mal, toi, ce qui est passé, qui est donc, ben voilà, ben, on fait une petite post-clip. Donc, c'était Kaymon Fouche le 25 janvier et on retourne tout de suite après avec Saturne qui va nous présenter son livre. Donc, une petite post-clip et puis on revient tout de suite après. Ok, merci. Ok, merci. Ben voilà, nous sommes de retour. C'était Zaychronique. C'est Zaychronique, pardon. Donc, on va prendre un appel parce qu'il y a un auditeur qui est en train d'écouter, qui est en train de patienter depuis tout à l'heure. Donc, Zaychronique, bonsoir. Zaychronique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'entends. C'est qui ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Tu t'appelles comment ? Tu nous appelles d'où ? Ben, j'appelle de Fort-de-France. Tu t'appelles comment ? Thierry. Il a dit Thierry. Thierry, tu nous appelles quoi? Tu nous appelles pourquoi? Pour, quoi pour eh ben, la soirée. Déjà une bonne année. Merci. Santé. À toi la, aussi. Là, ça vient après. Il a dit quoi? L'argent, ça vient après. Ah, ok, oui. Bonjour, il mec, ça vient avec maintenant. Ah, en fait, il attendait que l'argent. Voilà, donc tu nous appelles pourquoi? Eh bien, je vous appelle, eh ben, c'est pour les gars et les demoiselles qui sont sur le plateau, Monsieur Fouche et Madame Fouche. Ah, ah. Pour ton invitation pour le samedi du 25 janvier. Ah, eh bien, c'est super. Eh bien, ok. Et puis, pour dire aux gars de continuer comme ça. Ok. Bon, c'est qui sont là. C'est
Alors, tu dis oui, les jeunes, ça vient, mais pour le moment, là, c'est. Les jeunes, oui, mais c'est monsieur Fouché, madame Fouché qui mène 25. Ok, d'accord. Ok, mais on te donne rendez-vous le 25 janvier. Laisse tes coordonnées hors antenne. Et ok, puis, pas de souci. On te souhaite un bon spectacle. Oh, merci. Ok. Donc, ben voilà, aujourd'hui, on est avec Saturne qui vient se présenter à nous avec une autre casquette que chanteur. Ben Saturne, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi quelques mots. Bonsoir. Ben c'est Saturne. C'est de la musique, du dancehall principalement. Et puis, dernièrement, avec mon cousin Romuald Duville, on a décidé de partager notre vision à travers un livre. Ok, d'accord. Donc, c'est ce livre-là. On veut notre histoire. Donc, Romuald Duville et Mathias Joualon. Je vais pas écorcher ton nom. Joualon. Mais les gars, il y a une question. Je pense que c'est la première question qu'on se pose. Pourquoi un livre? Je te jure. Comment tu sors de la musique au livre? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on se pose pas mal de questions. Je me posais pas mal de questions. Ce dont on a parlé, sur notre histoire et tout. Et on a voulu partager notre vision à un large public. Principalement, on voulait faire un film. Et puis, on s'est tourné vers un livre parce que pour le moment, c'est mieux. Ok, d'accord. Mais c'est l'histoire, c'est votre imaginaire ou bien c'est ton cousin et toi? Disons qu'on a voulu parler de certaines choses et on a instauré un contexte. Donc d'accord. Oui, il y a une part d'imaginaire. Ok, parce que j'allais dire qui est Martin et puis qui est Giovanni. Ouais, tout ça, c'est le contexte. Ok. Ouais. Mais comment on fait pour écrire un livre? J'ai l'impression que c'est pas donné à tout le monde. Non, mais j'aurais aimé savoir si est-ce qu'il faut avoir une plume, est-ce qu'il faut avoir un talent particulier. Ça se passe comment? Franchement, comme je t'ai dit initialement, on voulait plus que ce soit à l'écran, tu vois. Par rapport au clip et tout, on s'y connaît mieux. Et pas trop tard. Pour faire le petit film, le petit court-métrage. Ouais. Mais on voulait quelque chose de vraiment bien structuré, pas vraiment un court-métrage, quelque chose au cinéma, vivant. Et pourquoi ce titre? On veut notre histoire. On veut notre histoire parce que, justement, par rapport aux questions qu'on se pose, on se rend compte qu'aux Antilles, tout est uniformisé, l'éducation et tout. Donc, pour nous, c'était important d'apprendre à connaître ce qu'on ne sait pas. Okay, d'accord. Et tu ne t'es pas dit que ce serait venu le court-métrage parce que, tu sais, maintenant, avec la nouvelle génération, sache que ce n'est pas tout le monde qui lit. Oui, malheureusement. On s'est dit ça, mais on s'est dit aussi que c'est quelque chose que si on gérait bien, qui pouvait arriver le plus loin possible. Donc, on s'est dit qu'on voulait bien installer le projet, quitte à faire un livre, quitte à tourner le scénario en roman, quoi. Ok. Désolé de vous interrompre, on a un appel. Donc, Zaïkonik, bonsoir, ben, je suis là. Zaïkonik, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Salut, c'est qui? Oui, c'est Jean-François, ici, à Tivoli-Ordette. Je ne t'ai pas, j'ai pas bien entendu. Jean-François de Tivoli. Tivoli-Ordette. Et tu appelles pourquoi? Ben, je suis de passage et je suivis l'émission et j'ai vu qu'il y avait deux personnes, monsieur et madame, où j'ai pas bien retenu le nom. Monsieur et Madame Fouge. Voilà, Fouge, tout à fait, merci. Et donc, je le remercie, je leur souhaite une bonne année pour l'ambiance qu'il mène sur la Caraïbe, parce qu'effectivement, on a besoin de ça. Je viens de métropole, mais je suis ici en ce moment. Ok. Donc, pour l'émission, des personnes qui contribuent à cette émission, je souhaite une bonne année 2019. Merci beaucoup, vous aussi. Merci. Bon séjour surtout. Merci. Je n'ai pas de date de retour pour l'instant. Donc, voilà. Et je voulais savoir si, éventuellement, je peux rencontrer ces personnes dans un show en quelque part. Je ne sais pas s'il y a... Oui. Ben, c'est le 25 janvier. Ben, il fallait appeler plus tôt, tu vois. Il faut être débrouillant en Martinique. Il y avait deux invitations à gagner qui ont déjà été remportées. Mais en tous les cas,
tu as la possibilité de te rendre au Grand-Carbet à partir de lundi pour trouver tes places ou sous Mouni Pass au Bizou. Ils sont en spectacle le 25 janvier au Grand-Carbet à 20h. Donc, oui, c'est l'événement à ne pas rater. Oui, d'accord. Ok, mais on te souhaite bon courage. Je te remercie. Hein. Ok, merci à toi. Je vais essayer de me préciser la prochaine fois un peu plus parce que nous, les retraités, on pourra un petit peu être fainéants. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, bonne soirée. Hein. Vous aussi. Okay. Oh. Donc ben voilà, nous sommes de retour avec Saturne qui nous présente son livre aujourd'hui, On veut notre histoire. Sur la prochaine, sur la couverture du livre, il y a des symboles assez forts. On voit un bateau, on voit les chaînes d'esclavage, coupe la banane. Pourquoi ? Je ne sais pas, je me dis que quand je vais lire ça, est-ce que je vais vraiment découvrir mon histoire ? Est-ce que si je lis ça aujourd'hui, je pourrais, quand j'ai fini le livre, je sais, je suis qui comme Martiniquais, c'est quoi l'histoire de la Martinique ? Non, pas vraiment, parce que nous, comme je te disais, on l'a fait avec notre vision. Moi, avec ma vision, ma jeune vision, je suis encore jeune. Donc, non, tu n'auras pas toutes les réponses dans ce livre, mais au moins, ça va... tu pourras commencer à te poser des questions si ce n'est pas encore le cas, et puis t'emmener à faire tes propres recherches par la suite. Et par rapport à ce livre-là, est-ce que tu as été amené à faire des recherches? Est-ce que tu as rencontré des historiens? Ça s'est passé comment? Ou c'est vraiment totalement que ta vision personnelle? Ou bien tu t'es quand même instruit sur oui, des livres? Oui, quand même, j'ai quand même lu. J'ai lu pas mal de bouquins d'Aimé Césaire, de pas mal d'auteurs connus. Et puis oui, à travers les reportages, à travers ce qu'il y a dans l'histoire, ben, on s'est servi un peu de tout ça. Et Saturne, le fait d'avoir écrit ce livre-là, qu'est-ce que ça t'a rapporté dans ta vie? Parce que je ne sais pas, je te sens en train de parler de façon apaisée, le gars. Non, mais en fait, franchement... Alors qu'on l'a tous connu en mode Denzel, le gars, éclate la scène et différent. Tout. Parce que là, c'est quand même une autre casquette. Bon, c'est vrai, il ne va pas venir. Bam, bam, clac. Tu vois, on veut notre histoire. Tu vois, le gars. Non, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. En plus, là, c'est quand même bien de le dire. C'est quand même instruit. C'est pas que sa vision. Il a fait des recherches, il a lu des bouquins. C'est pas pour dire qu'il a écrit le livre comme ça. Donc, c'est quand même bien. Qu'est-ce que ça t'a rapporté personnellement dans ta vie? Disons... La sagesse? Ouais, un peu, j'ai l'impression. Ah, pas un peu seulement. J'ai l'impression que ça m'a aidé. Les auteurs que j'ai pu lire, ça a changé un peu ma vision sur... et ça continue, je continue à apprendre tous les jours et chaque jour, je vois que y a pas mal de choses à faire et ça me fait prendre conscience de pas mal de choses. Ok, parce qu'on a Charlène qui n'aime pas lire, elle a déjà commencé à lire le livre, elle le disait. Charlène qui n'aime pas lire. Je dis ça vous l'embêtez. Complètement faux. Elle était fâchée parce qu'elle a dit comment ça, le livre n'est pas encore arrivé avant. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça m'a embêtée parce que je voulais échanger avec vous, savoir de quoi on parle, etc. Je vais prendre l'appel. Oui, maintenant on peut parler. Vite fait, pour qu'on nous allume pas au standard. Juste vite fait parce que le temps est compté. Zaïkonik, bonsoir. Zaïkonik, bonsoir. La personne est partie. Donc Saturne, quel est le retour au niveau des jeunes? Est-ce que les jeunes sont réceptifs par rapport à ça? Est-ce qu'on te prend au sérieux? Parce que tu avais quand même la casquette de chanteur et puis aujourd'hui tu es, on va dire, écrivain, je ne sais pas comment on dit ça, écrivain. Ouais, mais franchement ça fait plaisir, tu vois, j'ai eu pas mal de retours de jeunes comme moi ou plus jeunes qui me disaient « Ah ouais, j'avais jamais lu ». Et comme c'est toi, ça me fait plaisir. Et tu vois, moi aussi, ça fait vraiment plaisir, puisque c'est une vision qu'on a voulu partager, qu'on a voulu partager avec un maximum de personnes. Donc, les retours sont... pour l'instant, j'ai de bons retours et ça... Il a été long. Il est très bien noté. Il a été long à écrire. Ça nous a pris environ une année. OK. Tu disais, le livre est très bien noté. Okay, il est bien noté sur le net, les commentaires sont intéressants, les gens disent que ça se laisse lire en moins d'une journée, tu vois. Ah, justement, c'est ce qu'on a voulu faire, tu vois. C'est pas un gros livre pour ceux qui n'aiment pas. Oui, voilà ça, pas effrayer les noms. La police est bien. Parce que même moi, de base, je lisais pas beaucoup. Donc je sais ce que ça fait, surtout quand tu lis pas, tu vas pas prendre ton premier livre, un truc qui fait 300 pages. Oui, il se laisse lire. J'ai commencé à lire les premiers chapitres. Et puis, quand j'arrive à la fin, je suis là, mais ça, j'ai oublié que c'est un extrait. Je ne pouvais pas acheter le e-book, je voulais le prendre, mais indisponible. Je suis là, oh, merci. Mais là, tu l'as? Merci. Mais Saturne, tu étais, on ne va pas se voiler la face, tu étais quand même absent pendant un certain nombre de temps. Ouais.
Que s'est-il passé? Tu as profité pour écouter ton livre ou tu nous prépares un album? Qu'est-ce qui se passe? Ça m'accrène. Moi, non, je parle au nom des téléspectateurs. Non, tu parles au nom de ta personne aussi. Il y a pas mal de personnes qui se demandent il est passé où, je comprends. Ça a été un projet aussi qui m'a pris pas mal de temps. J'ai pris le temps de travailler sur moi, sur d'autres projets, sur ma musique aussi. J'ai fait sortir quelques sons. D'autres sortiront encore. Là, je me suis... on essaye de faire les choses bien pour... Déjà, on commence 2019 bien. Et puis, on verra pour la suite. Je suis en préparation d'album. Donc, je me suis associé avec un label. Donc, lequel? JC Productions. Donc, on fait les choses bien. Je suis en studio. On est en studio tous les jours. On travaille et puis on fait ce qu'il y a à faire. Donc en 2019, c'est le retour de Saturn sur la scène. Si Dieu veut, on y travaille. Aïe. Pour ne pas être incendié, je vais prendre l'appel. Ouais, vas-y. Zaykonik, bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Thierry. C'est encore Thierry. Comment? C'est encore Thierry. Encore? Encore? Thierry. Oui, Thierry. Oui. J'ai appelé là il n'y a pas longtemps, mais je voulais seulement féliciter le petit jeune. Le petit jeune qui est là. Saturne. Ouais, Saturne. Laisse-moi mon frère, parce que je le connais de visage. Mais là, je le regarde là, la télé là. Je te dis franchement, chapeau mon frère. Merci moi, beaucoup. Ça... Le mauvais chanté. Respect. Ça fait plaisir. Bonne soirée à vous. Merci. Okay. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup à merci toi. Merci beaucoup, Thierry. Franchement, big up. Mais dans le livre... Dis-moi. Quand Martin arrive chez sa grand-mère et puis que Giovanni, son cousin, il est sous les kiosques, en train de jouer au domino, etc., la vie est belle pour lui, etc. C'est vraiment une image qu'on voit constamment sous les abris des petits jeunes et tout. Est-ce qu'en écrivant le livre, tu t'es dit que tu pourrais toucher ces jeunes sous les abris, s'ils ont envie de faire quelque chose de leur vie ou autre? Bien sûr. Je me dis que tout le monde, peu importe ce qu'on fait, ce qu'on est, on peut faire ce qu'on veut. Il suffit de croire en ce qu'on fait. Ça veut dire que moi, à l'heure d'aujourd'hui, si j'arrive à écrire un livre, je suis pas écrivain et tout, je pense que tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire. Donc, oui, je pense que c'est important. Ok. Bon, ben, on va prendre un appel. Le dernier appel. Bon, d'accord. Vous avez connu bonsoir. D'accord. Ben, donc, ben, il est quelle heure? Non, il est presque la fin. Yannick va nous shooter dans un moment. Donc, voilà. Donc, tu nous as dit ton retour sur scène avec un nouveau label en 2019. C'est ça. Là, est-ce qu'il y a une tournée de prévue par rapport à ton livre dans les écoles, aller toucher les milieux scolaires? Ce serait bien les écoles. Ouais, parce que je trouve ça a l'air intéressant. J'ai même pas encore lu, mais ça donne déjà envie par rapport à ce que Charlène, l'histoire déjà qu'elle raconte, puisque c'est quand même quelque chose qu'on vit, tu vois. Ouais, c'est pas les autres histoires farfelues, tu vois. T'as dit mamie, kiosque, domino. T'as dit envie de lire pour savoir c'est quoi la suite. C'est pour donner aux gens l'envie de. Je ne vois pas d'éditeur. J'ai appelé à la librairie antillaise. Mon cousin y travaille. Il n'avait pas le livre. Amazon, il y a le livre. Ouais. Et je me suis dit, il est disponible sur Amazon. On essaie de mettre ça en place pour la Martinique. Mais pour l'instant, il est disponible sur Amazon. Que sur Amazon? Au niveau de la Martinique, je crois qu'on prend la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. Donc, où est-ce qu'on peut trouver des informations, par exemple, si on veut le livre sur ta page? Est-ce que tu actualises au niveau de... Oui, j'actualise sur mes pages Instagram. Donc, une fois ça sera disponible? Voilà, exactement. Une fois que ce sera disponible, dès que tu es sur mon Instagram, tu seras au courant. Ok. Avec une dédicace, hein, parce que... Pas de soucis, j'imagine que tu en feras. J'invite tous les jeunes, même les moins jeunes, tout le monde à lire le livre. Parce que c'est une force que vous donnez à un jeune. Franchement, je me suis dit, il faut que je le lise, il faut que je l'achète. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Et puis il faudra penser à mettre son petit cousin aussi au devant de la scène, puisque vous êtes quand même deux. Voilà. C'est ça exactement, Romuald Duville. Il a fait un bon travail aussi. Il a quel âge? Il a 20 ans. Waouh! Ah ouais, quand même. Ouais. Souvent on dit les jeunes, ceux-là,
Les bains là bon, faut que dit. Non, c'est surtout une belle histoire le fait qu'il est un chanteur, artiste d'une seule. Qui non, qu'il est. Qu'il est. Ouais, qu'il est toujours, c'est vrai, effectivement. Il est toujours chanteur. Il est toujours chanteur. Excusez-moi, Mister Gilles Guédard, la caméra qui me voit. La chante, c'est toujours. Je te jure. Et voilà, donc, mais les amis, l'émission touche à sa fin. Ben, Saturne, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton livre et puis ta carrière musicale? J'espère que tu vois tous nos top niveaux, puisque tu sais, tu nous as les au top niveau, tu veux pas descendre en bas. Ouais, au top niveau, on y travaille, comme je t'ai dit, on travaille tous les jours. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Ben, que du positif, la santé déjà. Et puis, moi, ce que je vous souhaite aussi, la santé, le plus important, et puis le reste viendra. Ok. Et Saturne, je suis du Mantaquin, est-ce qu'on peut pas avoir un petit bout de quelque chose qui va venir? Ah. Non, tu sais quoi? Il n'y a pas de nom là, ici. Écoute. Il y a. Reste connecté. Il y a une petite surprise qui arrive là. Okay. Vous y attendez pas. Petit freestyle, ça, tu. Tout petit freestyle. Ok. Sans instru. Sans instru. Ok. Petit freestyle. On sait que t'es boss pour ça. Eh oui. T'as dit quoi? Tu sais faire ça en plus. On sait que t'es boss pour ça. Un petit freestyle, il n'y a pas d'instru en... Maman, pour trouver un instru là, je ne sais pas si on trouve un instru. Non, il n'y a pas d'instru, c'est freestyle pas, comme un ça. Un ancien truc, je ne sais pas. Même un ancien, en fait, tu sais quoi? Mieux, ton premier morceau. Mon premier morceau? Ouais, tout premier. Pas underground, comment il y a quelqu'un ça, underground ou pas oui, ça? Oui, le tout premier. Mon tout premier, oui. Pas connu, tu veux dire? Comme tu veux. Comme tu veux, celui pas connu ou bien connu. Tout premier morceau. Il ne peut pas venir pour un livre. Hein. Pour la musique. Il était pour que nous, tu freestyles. Saturne, tu es timide là aujourd'hui. Non. Ton tout premier. Même moi, c'est Libagaba. Au moins ça. Faut me le comprendre que nous maillons un L, c'est Libagaba. Puis ils vont pas dire sortir un L, c'est Libagaba. Il est bon fini les gouttes un L, c'est Libagaba. Le c'est Libagaba. Moi, dis où le c'est Libagaba. Okay. Quand même. Ben voilà, ben pour tous ceux qui se disent, c'est qui ça, tu dis, ben oui, c'est lui le célibataire. Ben mamie, tu entendais ça dans ta télé, dans ta radio, c'est ça. Donc ben voilà, ben ça, comme tu dis, ben longue vie à ton livre et à ta carrière musicale, on t'attend tout, non? On t'attend tout, non? Je vois le qui juge quoi. Non, ben on t'attend. Et puis on te souhaite un beau retour. Merci beaucoup aussi, ben moi, je vais m'y mettre. On va se passer le livre parce qu'il y a un livre pour toute l'équipe. Je sais, Charlène Balleu lit assez vite. Je sais pas si Chocolat aura le temps avec la télé-réalité, il faudra faire un choix. Donc, et puis voilà, je sais, on s'aime, c'est l'amour vache entre nous. Et puis on vous donne rendez-vous le samedi 25 janvier au Grand Carbe avec Kaymon Fou. Je vous avais vu le petit coup de truc, ça promet plein de sujets de société. Et aussi, vous allez rencontrer aussi Chocolat du Twerk le samedi 19 janvier au Bendy of Carnival, je ne sais pas, la soirée de DJ Bouffi, l'anniversaire de DJ Bouffi. Exact. Et voilà, donc on se donne rendez-vous mercredi prochain avec Shannon. Voilà, donc rendez-vous mercredi prochain. Bonne année aux années, profitez de la vie, calmos, carnaval qui est arrivé, restons zen. Mm-hmm. C'est bon? Mm-hmm. Je viens de vous partir là comme un voleur.